Vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé dans cette vidéo. J'ai défié Twan Lag dans un concours de construction, sauf qu'il n'est pas au courant que j'ai caché à côté de lui des caméras de surveillance pour pouvoir l'espionner et tricher en voyant ce qu'il construit. Pour faire ça, je vais aller dans une base ultra secrète avec à l'intérieur des items que je vais utiliser pour troll Twan Lag et lui faire péter un plomb. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui me troll là? Qu'est-ce qui se passe? Mais le pire, c'est que je vais tricher avec l'aide d'un constructeur professionnel qui va me préparer les constructions les plus incroyables de tout Fortnite. Ah, c'est quoi ça, frère? Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Regardez. C'est parti, on est avec Twan Lag. Comment ça va, mon frérot? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, celui qui fait la meilleure construction sur Fortnite gagne 1000 euros. Ah ouais? Oh là là, c'est incroyable. Vas-y, go. Pour cette première manche, j'ai un thème à te donner. Dis-moi tout. Est-ce que t'es chaud qu'on fasse Dragon Ball Z? Parce qu'en vrai, je kiffe Dragon Ball Z. Oh là là, incroyable. Moi aussi, j'aime trop. Regarde là, carrément, j'ai une figurine de Dragon Ball Z. Wesh, comment ça? Ah, mon gars, je vais te ruiner. Je te laisse aller construire. Moi, je vais directement aller de mon côté. Oh les gars, moi j'ai fait genre, mais je sais pas du tout construire. Déjà, qu'est-ce que je vais construire? Là, j'ai plein de trucs de Dragon Ball Z. On a un petit personnage comme ça, en vrai, un peu compliqué à faire. Moi, j'ai envie de faire un truc imposant. Un truc comme ce dragon là. Avec ça, c'est sûr, je vais gagner. Bon, du coup, on est directement parti pour la première manche. Mais ce que Twan Lag ne sait pas, c'est que je vais tricher. Oh là, hey, vous êtes vraiment pas prêts du tout. Ça va être incroyable. Là, il y a les constructions, mais je vais pas m'en servir. Là, si je viens juste ici, il y a quelque chose que j'ai caché. Ok, là, normalement, il y a quelque chose qui va se passer. Ok, hey, hey. Là, j'ai un constructeur professionnel avec moi et il va m'aider à tricher en construisant à ma place. Sauf que Twan Lag n'est pas du tout au courant, donc faut vraiment pas qu'il remarque. Et pour tricher, je vais utiliser des items secrets qui sont cachés à l'intérieur de ce coffre juste ici. C'est parti, je vais ouvrir dans 3, 2, 1. On ouvre directement le coffre et à l'intérieur, il y a des télécommandes. Je vais les récupérer. La première juste ici, la deuxième et la troisième. Mais frérot, à quoi est-ce que ça sert? Ça va te servir à tricher. Ok, donc là par exemple, je prends cette télécommande, j'appuie. Wesh! Wesh! Frérot! En appuyant sur la télécommande, ça m'a téléporté du côté de Twan Lag. Et donc je peux tricher en l'espionnant alors que normalement c'est interdit. Les gars, j'ai l'impression d'avoir vu Naa en train de m'espionner. Non mais j'hallucine là. Non mais là c'est vraiment pour tricher, frère. C'est quoi ce délire? Je viens d'appuyer sur la télécommande, ça m'a téléporté là où il y a Twan Lag. J'ai fini le corps du dragon. Maintenant faut que je fasse la tête et je sais pas du tout comment m'y prendre. Vous savez quoi pour la tête? Je vais faire une grosse tête carrée. Je vais bien arranger ça. Mais ce que Twan Lag ne sait pas, c'est que pour tricher, je vais aller dans une base secrète avec à l'intérieur une salle de contrôle qui va me permettre d'espionner Twan Lag grâce à des caméras de surveillance. Il y a même des items que je vais utiliser pour troller Twan Lag ou même carrément détruire ses constructions. Et vous allez voir qu'il va complètement péter un plomb. Et du coup, sans plus tarder, je vais directement rentrer dans la base secrète qui est cachée quelque part sur l'île. Wesh, ouvrir le passage secret. Je peux interagir avec, je vais cliquer et... Quoi? Mais... Non, c'est incroyable, ça a ouvert une porte secrète dans la montagne. Attends, mais c'est quoi ce délire? Il y a vraiment une base secrète à l'intérieur que t'as construit, mais c'est incroyable. Attends, par contre là, il faut qu'on referme la porte, sinon Twan Lag il va voir. Ouais, vas-y, ferme ici. Ok, attends, il y a un bouton pour fermer. Ok. Ok, c'est bon, ça s'est fermé, nickel. Vas-y, maintenant prends la télécommande orange. Ok, là je l'ai récupéré. Et maintenant t'appuies dessus et tu vas mettre des systèmes de protection. Quoi, des systèmes de protection? Mais de quoi tu me parles, frérot? Wesh! Non, c'est pas possible! Il y a des lasers de protection! Mais ça, c'est pour que Twan Lag il rentre pas en fait! Ouais, c'est ça. Ok, attends, il se passe quoi si tu fonces dedans? Vas-y, je te laisse y aller. Ok. Ah ouais, tu meurs vraiment! En mode, quand tu passes dans les lasers, tu meurs! Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une porte et vous allez être choqué en voyant où est-ce qu'elle emmène! Et donc là, frérot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une porte avec même des caméras de surveillance! Wesh! Ok, vas-y, explique-moi! Ok, alors là, c'est le truc le plus fou que je t'ai préparé. Ok. Là, tu vois, chaque caméra, tu vas pouvoir observer Twan Lag depuis ton poste de contrôle. Ouais, attends, il y a un poste de contrôle avec lequel je peux surveiller Twan Lag. Non, frère, c'est quoi ce délire? Attends, il y a un siège, là je m'assois avec un poste de contrôle sur lequel, regardez, il y a écrit activer les caméras. C'est trop stylé. Et du coup, c'est parti, j'active les caméras et quoi? C'est incroyable, regardez, ça affiche sur mon écran la caméra de surveillance qui est dans la base. Comme ça, on peut voir s'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer. Par exemple, si Twan Lag il découvre la base et qu'il essaye de rentrer dedans, et bah on va le voir arriver. Mais c'est pas tout, il y a aussi une deuxième caméra de surveillance juste devant la base. Ça nous montre tout ce qu'il y a devant la base. Comme ça on peut voir ce qui se passe. C'est vraiment beaucoup trop stylé. Mais c'est pas tout, il y a d'autres caméras qui sont encore plus incroyables et vous allez être choqués. Il y a des caméras qui sont cachées sur des palmiers juste à côté de Twan Lag et il ne les a pas encore remarquées. Et du coup, regardez, on peut tricher en espionnant Twan Lag. Et là du coup on voit ce qu'il est en train de construire. Parce qu'en fait il est en train de construire Shenron. Et franchement il se débrouille beaucoup trop bien. Non, il n'y a plus qu'à mettre les yeux comme ça. Deux gros yeux rouges. Voilà.
Oh là, il fait peur. Là, il fait peur, mon dragon. Oh, et vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié la moustache. Vous voyez cette moustache? Eh ben, faut que je fasse la même. Comment je vais faire ça? Ah, je sais. Voilà, regardez-moi sa tête. Non. En vrai, il y a une ressemblance. Il y a une petite ressemblance quand même. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les dents. Je vais les poser juste là, comme ça, là, bien devant. Voilà, des petites dents bien pointues. Ça fait bien peur. Incroyable. Il est incroyable. Oh, il fait trop peur. Toine Lag a l'air d'avoir bientôt terminé sa construction. Sauf que moi, j'ai toujours pas commencé. Et il reste pas beaucoup de temps pour construire. Donc, faut vraiment que je m'y mette. Et vous allez voir que je vais tricher avec des constructions incroyables. Sauf qu'il y a un problème. Frérot, pourquoi tu m'emmènes ici? Je t'avais demandé de préparer des constructions, mais je vois rien du tout. Frérot, j'ai une surprise pour toi. Mais comment ça, t'as une surprise pour moi? Il faut des constructions là, frérot. Il y a bientôt plus de temps pour construire. Il y a Toine Lag vraiment. Là, il va gagner. Il doit être en train de terminer ses constructions. Alors que nous, on a toujours pas commencé. Eh frérot, je te suis, mais j'espère vraiment que t'as une surprise pour moi. J'ai une grosse dinguerie. Eh, ça fait flipper là. On est arrivé sur une plateforme sur laquelle il y a un hélicoptère. Je vais directement monter. Mais tu m'emmènes où, frérot? Pourquoi on va dans un hélicoptère? Là, il faut qu'on construise. Il reste plus beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais fais attention, parce que là, Toine Lag, il va nous voir. Hein. Mais attends, wesh, c'est quoi ce délire? Il y a les constructions que t'as préparées qui sont juste ici. J'avais pas vu, mais en fait, t'as tout préparé depuis le début. Quoi? Wesh, c'est incroyable! Y'a un titan! Frère, c'est Eren, c'est incroyable! Ouais, je m'attendais vraiment pas à ça! La construction, elle est énorme, mais y'en a une deuxième juste à côté! C'est même pas une construction qui est énorme, c'est y'en a deux! Et celle-là, elle est encore plus grande! Attends, je descends, frère, c'est trop! C'est quoi ce délire? Y'a le roi de la tempête qui est juste ici! Mais gros, comment t'as réussi à refaire ça avec des constructions? Par contre, frérot, là, y'a un problème. Ouais. La manche, c'est le thème Dragon Ball Z. Et là, je vois aucune construction Dragon Ball Z. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Frérot, je te laisse construire, mais je compte sur toi. Je veux vraiment que tu me fasse une construction incroyable et combatte Toine Lag, parce que là il doit être en train de faire une dinguerie. Les gars, j'ai plus beaucoup de temps pour améliorer mon dragon, mais franchement il est plutôt bien fait. Je suis quand même content de moi, hein. Pour un mec nul, regardez-moi ça, les petites dents, les yeux rouges. Non, j'ai fait tous les détails qu'il fallait. Nah, c'est sûr, j'ai fait mieux que lui. C'est bon, du coup, le temps est écoulé. Mais par contre, frérot, qu'est-ce que tu m'as fait? Il y a pas de construction là. C'est quoi ce délire? On pourra pas gagner. Il y a juste des Dragon Ball. Ne me dis pas que t'as construit juste ça avec tout le temps que t'avais. Toine Lag, 100%, il va gagner. C'est obligé. Frérot, je sais pas ce que t'as fait, mais je compte sur toi. J'espère que c'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie, je te le dis. Ok, c'est quoi, frérot? Je vais appeler Toine Lag, mais là, j'ai vraiment peur. Hein. Ok, vas-y, appelle-le. Et vous allez être choqués en voyant ce que le constructeur professionnel m'a préparé. Allô, Toine Lag? Ouais, Nah, t'es là? Ouais, frérot, bah là, c'est terminé. Le temps est écoulé. J'espère que c'est bon pour toi. Oh les mecs, j'ai eu le temps de finir. Je vais t'exploser. Mon dragon, il est trop stylé. Ok frérot, on va voir ça. Attends, pourquoi t'as fait quoi? Moi j'ai fait le dragon de Dragon Ball Z. Frérot, t'inquiète, j'ai fait quelque chose. Est-ce que déjà je peux venir voir ta construction? Viens voir tout de suite. Je te présente Shenron, le dragon. Ouais. Oh non, il est magnifique, frère. Non, en vrai, il est vraiment stylé. Mais ce que j'ai fait, comment ça, ce que t'as fait? Tu m'avais dit que t'étais un débutant, frère. C'est magnifique. En vrai, c'est vraiment stylé. Attends, mais toi, le gros nul de Fortnite, t'as fait mieux que moi. Impossible. Eh, vas-y, arrête de parler. Montre-moi ça. Vas-y, je te montre ma construction, frérot. Mais y'a rien là. Ouais, bon, y'a rien, mais regarde ici, y'a les Dragon Ball, c'est stylé ou pas? Attends, mais. Qu'est-ce que c'est que ça, mais mec? Mais c'est trop simple à faire, t'as pris 3 boules et tu les as mis là. Oh, regarde, y'a écrit invoquer Shenron. Je sais pas ce que ça fait. Bah, ça si, je sais ce que ça fait, mais. Vas-y, viens, on clique dessus. Est-ce que t'es prêt? 3, mais gros, 2, gros, attends, 1. C'est une dinguerie. Ah! C'est quoi ça, frère? Wesh! Non, c'est dinguerie, gros. Bah, par contre, attends, comment t'as fait ça? Bah, en fait, c'est ma construction, ça m'a pris du temps. Attends, mais même toi, t'as réagi bizarrement là, comment ça se fait? À ce moment-là, Toine Lag a failli me crier. Sauf que, heureusement, je me suis rattrapé juste après. Regardez! C'est moi qui ai fabriqué tout ça. Jamais de la vie, tu sais faire ça, toi. Mais frérot, de quoi tu parles? Je suis constructeur professionnel, frérot. Je fais ça de toutes mes journées. C'est moi qui fais tout ça. Non, mais mec, c'est dinguerie. Est-ce qu'on est d'accord que j'ai gagné la première manche? Ah, frérot, t'as totalement gagné. Mais attends, mais wesh, mais je suis choqué, frère. Mon dragon, il est ridicule à côté de toi. J'ai perdu la première manche, maintenant c'est quoi la deuxième manche? Frérot, j'ai une thématique pour la deuxième manche. Dis-moi si c'est bon pour toi. C'est l'attaque des titans. Oh là 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 là. J'allais dire, je vais te fumer, mais là j'ai un doute. Là j'ai un doute, frère. Tu m'as fait un dragon de malade mental. Attends, tu me laisses combien de temps? Frérot, je te laisse encore une fois une heure. C'est bon pour toi? Une heure? Ok, c'est bon, bon. Je vais te ratatiner. Pour cette deuxième manche, on va troll Toine Lag et vraiment, il est pas prêt du tout. Je vais directement retourner dans la base secrète. Ok, c'est bon, c'est en train de s'ouvrir. On va directement aller à l'intérieur et on va récupérer quelque chose que je vous ai pas montré. Regardez sur le côté, il y a des armes. Je vais les récupérer. Donc là, il y a l'arc à répulsive. Et avec ça, je vais troll Toine Lag. Mais surtout, il y a les boogie bombs. Oh, ça m'avait manqué. Cette fois-ci, le thème, c'est attaque des titans. Faut juste que je fasse un géant. On va faire ça, une jambe comme ça. Mais on va l'agrandir au maximum. On agrandit ça au max. Oh,
c'est énorme. Regardez-moi ça, comment c'est gros. Voilà, j'ai fini les jambes. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut faire les pieds. Ok, c'est bon, j'ai fini les pieds de mon titan. Mais ce que toi, le lag, ne sait pas, c'est que je vais le troller. Et vous allez voir qu'il va péter un plomb. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui me troll là? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui s'est passé. Je vais directement m'équiper de la télécommande violette. Et quand je vais appuyer dessus, normalement, ça va me téléporter comme ceci. Regardez, il y a toi là qui est juste ici. Regardez là, il est en train d'observer les constructions. Ok, vous êtes prêts? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ah, mais attends, mais frère. Gros, j'ai mis une répulsive. Est-ce qu'il va me voir? Est-ce qu'il va me voir? Mais attends, il y a eu un truc là, j'ai pas rêvé. Il y a eu un truc ici. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Okay, il m'a pas vu. Wesh, par contre, sa construction. Mais frère, c'est quoi cette construction? Non, c'est trop, frère. Eh, vous savez quoi? Ça part directement sur la bougie. Mais qui c'est qui me troll là? Non, j'ai pas réussi à la voir avec la bougie. Attends, mais c'est quoi? Moi, je vais me réfugier dans mon géant. Frère, j'ai pas réussi à la voir. Frère, il était en train de revenir. Voilà, comme ça. Hop. Frérot, il était en train de revenir. Heureusement, je me suis re-téléporté à l'intérieur. Je sais exactement ce qu'on va récupérer. Regarde ce qu'il y a juste ici. Tout simplement, des dynamites. Maintenant que j'ai les dynamites... Ok, attends, par contre, là, ça va péter. Attends. Non, non, arrête. Non, je... Ouah, frère, heureusement que la base, elle est solide. Frérot, du coup, je vais directement utiliser la dernière télécommande. C'est la bleue. Et quand j'interagis avec, ça me téléporte dans la partie de Twan Lag. Regardez, je suis derrière le rocher avec... Attends, wesh, la construction, non, c'est trop. Par contre, attends, mais il est où, Twan Lag? Je ne vois pas Twan Lag, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. J'espère qu'il est pas en train de me voir. Je vais directement balancer les dynamites sur sa construction pour l'exploser. Non, non, quoi? Non, ça la casse pas, ça casse pas sa construction. Wesh. Y'a toi là qui est de... Frère, pourquoi toi là il est à l'intérieur du zizi du titan? Mais frère, mais c'est trop, frère. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, vous savez quoi? Je retourne à l'intérieur de la base. Nous, on va directement aller finir la construction de notre titan. Pour la tête, c'est simple. Hop, je place les petits yeux. Là, y'a les dents. Et là, on a une tête un peu mal faite. Voilà, j'ai pas soigné les détails. Mais en même temps, j'avais que une heure. En vrai, ça va, il est stylé, mon titan. Ok, frérot, donc là, t'es en train de me copier Eren de l'attaque des titans. Par contre, j'ai vraiment peur parce que là, ça va complètement dépasser du mur, frérot. Ok, j'espère vraiment. Je te laisse continuer. Ouais, non? Ouais, frérot, j'espère que t'as terminé. Le temps est écoulé. Ah, t'inquiète pas, je viens de finir. J'ai cru voir un petit peu de ta construction dépasser. Pour l'instant, voilà, j'ai pas vu grand chose. Mais gros, c'est quoi que tu m'as fait, frère? Ah, c'est normal que tu l'as vu dépasser du mur. C'est parce que c'est un géant de attaque des titans, c'est le titan colossal. Gros, mais c'est quoi ça, frère? C'est quoi, frère? Attends, viens voir. Il y a un passage secret. Mais il y a quoi à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une salle secrète à l'intérieur? J'ai pas eu le temps, mais vous savez quoi? Mettez vos avis dans les commentaires sur qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Mais frérot, likez et abonnez-vous. Maintenant, on va directement passer à ma construction, t'es pas prêt du tout. Oh, mais waouh! Mais frère, c'est quoi ces détails? T'as fait des abdominaux, on voit tous les muscles. Mais regarde même juste la tête, regarde-moi le visage, frère, c'est incroyable. Oh. Même moi, je suis pas capable de faire ça. Enfin, attends, j'allais dire, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Quoi? Mais si, attends. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que normalement, je suis pas capable de faire ça, mais là, je me suis surpassé. Mais t'es plus que surpassé, là, c'est une dinguerie. Toutes les dents, elles sont parfaitement mises, les yeux. Là, carrément, t'as fait la pupille dans l'œil. Oh là 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 là. Le plus choquant, c'est les muscles, comment ils sont détaillés jusqu'en bas. Attends, mais carrément, t'as fait les ongles. Mais tu sais quoi, frérot, en vrai? Non. En vrai, c'est moi qui gagne parce que moi, il est complet. Moi, il y a toutes les parties du corps. Toi, il manque la partie la plus importante du corps. Frérot, c'est ce que j'allais te dire. Là, le but, c'était de faire un titan. Et là, vraiment, c'est un titan. Pour moi, tu as gagné sur cette manche. Let's go. Je t'ai arnaqué en plus. Il est carrément horrible, mon titan. Bref, on passe directement à la troisième manche. Et on va voir qui va gagner les 1000 euros. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le thème? Le thème, c'est l'histoire de Fortnite. Donc, on va faire une construction en rapport avec l'histoire de Fortnite. Ouais, mais mec, t'as cru que j'étais un youtubeur Fortnite actu? Mais bon, qu'est-ce que j'en sais de l'histoire de Fortnite? J'avais gagné. Bah ouais, frère, là tu pars avec un avantage alors qu'il y a un partout. Tu as une heure pour faire ta construction. C'est parti dans 3, 2, 1, let's go. En fait, Na, c'est un youtubeur actualité Fortnite. C'est sur lui, il connaît toute l'histoire de Fortnite. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'espionner. Comme ça, je le recopie et je suis dans le thème. Par contre, pourquoi j'entends un bruit d'hélicoptère? C'est bizarre là, qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est parti, frérot, faut directement aller dans la base. Ok, descendre l'hélicoptère. Quoi? C'est quoi ça? Mais il est carrément en train de faire de l'hélicoptère. C'est quoi ce délire? Attends, il fait quoi là? Et vraiment, il faut faire super vite. On ouvre directement le passage secret pour accéder à la base. Wesh, il y a un passage secret. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais wesh. Attends, faut que je me rapproche.
Waouh. Attendez, attendez, faut pas que je fasse griller. Là, il faut qu'on ferme la porte très très vite, frérot. Ok, on la ferme. Là, je vais directement activer les lasers comme ceci. Et normalement, il peut pas passer. Voilà. Vite. Normalement, il nous a pas vu. Normalement, il nous a pas vu. Ouais, c'est quoi ça? Il y a des lasers. Oh, bah, attendez, faut pas que je les touche. Mais attends, mais comment on passe ici? Un truc comme ça. Mais comment je fais pour passer? 100% ils sont allés tout au fond. Et pourquoi ils sont deux? C'est pour ça qu'il arrive à faire des super constructions depuis tout à l'heure. En fait, ils sont deux. Ok, ok, attendez, c'est un peu chaud. Je passe par là, mais oh, mais oh, wesh, y'a de la lave. Mais on est où, là? Là, je sais pas du tout ce que Twanlag, il est en train de faire. Ça me stresse vraiment, j'ai envie de voir. Du coup, je vais activer les caméras de surveillance. C'est parti. Sauf que je m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir sur les caméras de surveillance. Par où, chemin? Ça doit être par là. Ok, par là, par là. Et ensuite, par là. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer. Ok, entrer dans le repère. C'est quoi, ça? Y'a un repère. Frérot, frérot, y'a Twanlag qui est en train d'arriver. Frérot, y'a vraiment Twanlag qui est en train d'arriver. Non, frère. Mais ici, il est en train d'arriver dans la base. Je l'ai vu avec les caméras surveillance. Frère, c'est trop. On est mort. Frère, gros, j'ai regardé sur les caméras surveillance. Il y avait Twanlag qui était vraiment en train d'arriver, frère. Oh, mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Wesh, j'ai pris une flèche. Il veut quoi, lui? Mais dégage. Non, frère, il y a Twanlag qui est arrivé dans la base. Mais Oda, qu'est-ce que tu me caches, là? Pourquoi vous êtes deux? Non, frère, ok, je peux tout t'expliquer, Twanlag, je te jure, c'est pas ce que tu crois. On a créé cette base secrète parce qu'on savait que t'étais beaucoup trop fort et que t'allais me battre. Du coup, on a triché depuis le début. Ça, c'est un constructeur professionnel. Les constructions, c'est pas moi qui les ai construites. Mais mec, t'es un tricheur, c'est pas possible. Et en plus de ça, j'ai gagné une manche, mais t'es vraiment trop nul. Attends. Du coup, comme t'as triché, tout est fait à l'avance. Oui. Je peux voir ce que t'avais prévu pour l'histoire de Fortnite? Frérot, viens voir, je vais te montrer. Mais par contre, Twanlag, attends, mais comment t'as fait pour trouver la base secrète? Mais mec, c'était super simple. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de vous suivre. La porte secrète, elle s'est pas refermée. Je suis passé en même temps que vous. Et pour les lasers, en vrai, fallait juste sauter. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mec, t'es vraiment trop nul. Même ton passage secret, t'arrives pas à passer les lasers. Mais frère, c'est quoi ce délire, gros? Mais déjà, comment t'as réussi à passer les lasers, frère? Normalement, t'es pas censé réussir à faire ça. Mais vas-y, tu sais quoi, je vais quand même te montrer la construction que j'avais prévue. Vas-y, viens. Ok. Regarde ce que j'avais prévu. Oh! Attends. Je suis obligé de faire une phrase à la Unchained. Seuls ceux qui connaissent le roi de la tempête ont le droit de s'abonner à la vidéo. Ok, abonnez-vous tous parce que normalement, tout le monde est obligé de connaître, frère. C'est trop connu. Mec, t'es fou, il y a que 1% de la population qui connaît ce mec. En tout cas, bah, malheureusement, Twanlag, j'ai triché, je l'avoue. Mais du coup, ça veut dire que bah, tu as gagné, frérot. J'ai gagné? Incroyable, j'ai gagné. Let's go. Mais du coup, tu me dois 1000 euros. Voilà, tu me dois 1000 euros. Hey, je perds pas le nord, moi. Mais les boules, elles sont où? Je vais t'envoyer 1000 euros. Mais de toute façon, frérot, est-ce qu'on peut dire aux abonnés que très bientôt, on va se voir, frérot? Ah, les amis, dans quelques semaines, avec Na, on va passer les meilleures vacances du monde. Et tout ça, ça va être sur nos chaînes YouTube. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez. On se retrouve très bientôt, la famille. Ciao.